votre tableau de telle façon pour voir en même temps et le sujet et votre tableau. Voilà. Suivant, c'est les compositions. Les compositions. Voilà. Donc, ce n'est pas les vrais dessins. Essentiel à cette étape-là, c'est disposer le sujet sur le format. Voilà, ce sera à peu près ça. Oh là là, le vent est glacial, donc je comprends les gens qui peignent d'après photo. Parce qu'il fait moins 12 plus le vent. Donc on souffle. Voilà, hop, hop. Mm-hmm. Le dessin pour l'instant, donc il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je ne suis pas très doué pour ça, mais bon. C'est pas le dessin, c'est plutôt les compositions. Voilà. Le deuxième coup de pôle par là, par là, par là. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Bon, toujours les mêmes choses. Donc ça prend bon, à peu près, bon, comme ça. Hop, 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 hop. Peut-être c'est un petit peu haut, mais peut-être ça va. Je vais descendre légèrement après. On continue la peinture, voilà. N'importe quelle couleur neutre. Et on refait le dessin définitif avec la peinture diluée. Voilà. Bon, ce que j'ai décidé, c'est de descendre un petit peu le coupole. Voilà. Pour laisser plus de place. Voilà, comme ça. Hop, hop, hop. Ça ne doit pas être très précis, mais tout simplement, c'est quand même l'endroit définitif déjà. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. En même temps, on enlève les traits de crayon qui risquent de salir un petit peu la peinture. Voilà, donc c'est deux buts. Voilà. De toute façon, on rétablit les dessins après. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, à peu près. Ce sera la fenêtre ici, et celle-là, celle-là, là, là. Bon, le sujet n'est pas très facile parce qu'il y a plein de détails, mais bon. Il n'y a rien à dire, donc c'est la même chose. Voilà, c'est pas le dessin, c'est la composition. Donc on précise les détails. Voilà, comme ça. Voilà. Et le premier plan. Donc, bon, les peintres, les amateurs demandent souvent par quoi il faut commencer à peindre, par quel détail. Derrière et après tout ce qui est devant, ce qui est logique, tout ce qui est et tout ce qui est là-haut. Donc, dans les paysages, c'est le ciel. Voilà, il faut chercher le ciel, les couleurs. Bon, comment on cherche les couleurs du ciel, il faut les prendre, surtout pas les couleurs, mais les tons, par rapport au ton de l'église, parce que l'église est plus claire que le ciel. Donc, il faut essayer de trouver les couleurs bleues un petit peu plus foncées qui est pareil. Voilà, donc c'est encore plus foncé. Voilà. Encore une chose, là on filme la palette. Mieux n'est pas diluer la peinture, mais comme on travaille, il fait moins 10, la peinture elle devient trop dure, donc on est obligé de le diluer. Mais dans les conditions normales, mieux pas diluer du tout la palette de couleurs. Il faut l'utiliser tel qu'il est sorti du tube. Donc, voilà, hop. On ouvre un petit peu, voilà.
Bon, les conditions sont très difficiles parce qu'il fait vraiment très froid. Bon, moins 10, c'est supportable, mais en plus, il y a du vent. Du vent, mais... Ça stimule, par contre. Ça stimule. Encore une chose qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas peindre, mais il faut poser la peinture. Voilà, entre les peintres amateurs et les peintres professionnels, il y a une grande différence. Le peintre amateur, il peint comme un peintre de bâtiment. Le professionnel, il pose la peinture comme la mosaïque. Ce qui permet de travailler même s'il fait voilà, froid comme aujourd'hui. On cherche la couleur, on cherche l'endroit à laquelle il doit être posé et hop, on les pose. Après, on cherche la couleur et on le... pose. Un seul geste. Il ne faut pas toucher avec les mêmes couleurs deux fois le tableau. Chaque couleur, il a sa place unique sur le tableau. Voilà. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est le travail mécanique. On touche mécaniquement avec les mêmes couleurs plusieurs fois. Donc, c'est les luttes permanentes. Que les mains ne doivent pas travailler plus vite que la tête. Il faut attendre que le soleil revienne. Petit nuage qui traîne tout maintenant. Я говорю, ты, конечно, говоришь, прелесть, я живой. Прелесть. Знаешь, прелесть. А издали это что-то? Ведь надо вот солнышко вот вернется. Вот вы знаете, издали, ну просто живой. Ну, ну что? Живой храм. Рисует, тогда будет извези. Господь. Восстанавливает. Солнышко, но плюс жонка. Нету солнца.
добрый день, казакам. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, 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 Сережа, снимай. Voilà, c'est le dernier moment. Et il faut revenir demain. Мы делаем фильм для французов, как пишется картина. При морозе. Вот, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que Napoléon est venu faire à Moscou? 40 degrés. Je peux plus, parler, je peux rien faire. Je suis donc au bout de mes forces, donc il faut s'arrêter. Mais c'est dommage parce que maintenant j'ai attendu pendant des heures et des heures des bonnes lumières, et là il y a une bonne lumière, mais j'ai plus de force. Donc là, on peut s'arrêter. Si demain il fera beau, je peux revenir et avancer le tableau. Mais j'y signe quand même parce qu'on ne sait jamais. Si on n'est pas parfaite, on me demande parfois pourquoi vous signez différemment. Voilà, je signe. Moi, parce que je suis gelé. Fini. Voilà. C'est la vodka qui va me sauver. Tu veux raconter, c'est mon Saint-Serge, Saint-Sergier.